Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Parasite Eve 2. On va continuer les aventures d'Aya Brea. C'est parti, on commence tout de suite. Vous avez vu la fin, nous devenions tous des Terminators à côté de Aya Brea. Nous sommes le 4 septembre 2000, à 20h18, Los Angeles QG du MIST. Donc, ce n'est pas au moment de Noël. C'est important. Septembre 2000. Peut-être c'est dû au bug de l'an 2000, justement. Presque 3 années avaient passé depuis l'incident de Manhattan, qui avait fait des centaines de morts. J'avais démissionné la police de New York et m'étais devenue la chasseuse du NMC. Poursuivant les créatures en fuite vers la côte ouest, je m'étais installé à LA. Il n'y avait plus aucune trace d'une néo-mitochondrie originelle telle que celle de Eve. Je reconnais bien les monstres du 1. Le nombre de créatures était en chute constante. Tant mieux. Je pensais donc que mon combat touchait à sa fin. Jusqu'à ce que cette fraîche nuit de septembre. Ah. Pauvre madame, elle en a pris une. Qu'est-ce qui t'arrive, Aya? C'est Pierce Brosnan qui nous parle. Ça ne te ressemble pas. Je suis pas en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben on va manger des tacos. On s'arrête là pour aujourd'hui? Non, ça va aller. T'inquiète, je peux continuer. Et tu veux quoi comme musique? Amber. Et comme arme? Ok. Je te mets quel niveau? 1. Niveau 1, s'il te plaît. Oui. Avec l'aide intégrée, t'as raison. C'est important, les bases. Qu'est-ce que je dois faire? Début du programme. Appuie sur la touche carré pour chercher une cible. Quand une cible apparaît, vise-la. En appuyant sur la touche carré. Tire sur la cible avec la touche R1. Visez ensuite une autre cible. D'accord. De touche. Lorsque votre chargeur est vide, vous avez d'autres munitions. Vous rechargez automatiquement en appuyant sur la touche de tir. Si vous avez placé des munitions dans une des cases attachement, vous pouvez également recharger votre arme à tout moment. Essayez en appuyant sur la touche Start pour ouvrir le menu de combat. Menu de combat. Ah oui, attachement. 480 balles. D'accord. Vous pouvez changer de cible en maintenant la touche.
Merde. Va vite. Il n'y a plus de balles. Quel talent. Mon chargeur, en fait. Loupé. Quel talent. Elle est trop forte. Quel talent. C'est pas du tout le même système de jeu. C'est ça? Ok. On joue Terminator en fait. Il y a toutes sortes de munitions utilisées par les chasseurs, mais elles sont strictement réservées à l'entraînement. 9 mm Parabellum pour les pistolets. Des balles qu'utilise notamment avec mon arme préférée, le M93R. J'en prends toujours beaucoup quand je pars pour une longue mission. Car universelles, elles sont même utilisables avec des mitraillettes. Oui. Est-ce qu'on peut courir? On peut courir. Oui, donc en fait, c'est à peu près les mêmes touches que dans l'ancien, que dans le premier. D'accord. Ah, les fusils. Je veux les fusils. Le râtelier contenant les fusils d'assaut et les fusils à pompe. On peut pas en avoir un ? Ça va le faire. D'accord. Pierce Brosnan. Entendu. Très bien, au revoir. Il est au téléphone. Alors, c'était une visioconférence. Pierce. Je croyais que c'était Hall. Dans le mail. Il paraît qu'il y a un grabuge monstre. Sur la terrasse de l'Acropolis Tower. L'Acropolis Tower, je connais. J'y suis allé faire les soldes la semaine dernière. Super, on gagnera du temps. Hall. Enfin, je veux dire... L'inspecteur en chef, Baldwin, veut que tu t'y rendes immédiatement. J'espère qu'il s'agit bien de NMC. La dernière fois qu'on s'est déplacé en guise de monstre... On a trouvé qu'un représentant en costume de poussin. Ah. Cette fois, c'est différent. Il paraît qu'on a même demandé l'intervention du SWAT. C'est bon, j'y vais. Bien sûr que je vais y aller. Partout où il y a des NMC et à n'importe quelle heure. T'as fini de te plaindre ? Non. Je suis une femme. Je me plains, c'est tout, c'est comme ça. C'est un râtelier à pistolet. Il est fermé à clé. Merde. Je vais me casser alors. Je me laisse pas prendre mon arme. Je me laisse pas choisir. Allez. Fire House. Armurerie. Voilà. Je veux des armes. Bonjour, Jackie. Salut, Aya. Tu veux dépenser quelques BP pour compléter ton équipement. Et où tu devrais prendre une ou deux tablettes de comprimés. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir ce que t'as.
D'accord, c'est un marchand. Oh, petit fusil à pompe. Et petit M4. Fusil à pompe de calibre 12, fusil d'assaut modifié des forces spéciales. Ok. En munitions. Backshot, cartouche de calibre 12 dispersant chacune 9 plombs. Cartouche utilisable avec fusil d'assaut et fusil mitrailleur. D'accord, on va devoir acheter nos propres munitions. Merde. Un petit gilet pare-balles. Gilet pare-balles employé par les chasseurs. Protection lourde, casque mini d'un haut-parleur. D'accord. Les médicaments. Le niveau 1. Redonne un peu de MP. Accessoire d'autodéfense jetable, aveugle les ennemis. D'accord, donc on va pouvoir jeter des items. La couleur des icônes t'indique la compatibilité arme-munition. Par exemple, ton M93 n'utilise que des balles dont l'icône est bleue. Je sais, ça paraît évident. Mais Pierce lui a déjà essayé de mettre des 9 mm dans un revolver. Alors, en vrai, ça peut marcher parce qu'il y a des revolvers qui sont en 9 mm. Vu que ça dépend juste de la taille du barillet, en fait. De votre canon, etc. etc. Bonjour. Tu es prête à partir? Ouais. Alors, pas encore. Je te dis, ouvert l'armurerie si tu veux. Ouais, on a vu. Y a pas des trucs à ramasser ici? Tiens, une bouteille. Quelqu'un a dû l'oublier là. Ta-da-da-da, vous trouvez petite fiole. D'accord. Il n'y a plus rien d'intéressant. Alors, par contre, use. Alors, ton fa. Ok. Vous avez chargé des 9 mm. Ok. Armor. Blouson de cuir. Vous n'avez pas d'autre protection. GPS. Militaire. Portable muni d'un détecteur de mouvement. D'accord. Key item. Utiliser un objet clé. Un signe du mist. Okay. Faire renaître les parasites énergie. Pyrokinésie. Je pense une boule de feu. Enflamme les ennemis. Ah punaise, il va y avoir des éléments. Ok. Champ magnétique. Réduit les dommages. Hypercinétique. Augmente la puissance des balles, d'accord. Plasma, renverse les ennemis par une onde de choc. Décharge électrique, d'accord. Ah, il y a une map maintenant. Bien. Et les options. Attendez. Ah, d'accord, ok. Alors, je regardais les Parasite Energy. Bon, allez, on se casse. Même aller faire le jeu. Allez. Je vais t'ouvrir le rideau de fer. Sois prudent. Le rideau de fer, tel en... Tel l'Union soviétique. Septembre 2000, Acropolis Tower, 20h56. C'est con. Du SWAT. J'ai perdu beaucoup de sang.
On ne peut pas courir ici. Chez l'agent Aya Brea de la section anti-mitochondrie du FBI. Vous ? Ouais, on nous a prévenus. C'est bon, vous pouvez y aller. Comment ça se passe ? Non, apparemment mal. Pas très bien. On ne contrôle plus la situation sur la terrasse. Comme vous le voyez, on vient de se faire descendre un hélico. Demandez les renforts de l'armée. Alors, j'aime beaucoup moins le style de la caméra. Ça présage rien de bon parce que généralement, c'est les jeux comme ça, c'était de la merde. Le jeu est beau hein, pour la PS1 quand même. Mine de rien. Hélico de tout à l'heure. Aucun survivant, j'imagine. Ah bah. Ça me paraît un peu. Et on voit qu'ils ont fait le dandinement des fesses d'Aya Brea. Agent Brea du FBI. On est. On en est où là-haut ? Bien, le SWAT a investi les lieux il y a 10 minutes. Mais on a maintenant perdu le contact avec eux. Et les civils ? On a fini de les évacuer. Ils disent avoir vu des monstres. Très bien, je vous remercie. Faites attention. J'ai pas besoin, hein, je suis Aya Brea. Chef, un agent du FBI est entré dans l'immeuble. Je sais, la chasseuse du mist. Du quoi ? Tu sais bien. Cette rumeur sur les monstres apparue à Manhattan il y a 3 ans. Il paraît que des agents du MIST en sont les chasseurs professionnels. On prend l'ascenseur évidemment. On va pas monter les escaliers, nous sommes à Aya Brea. Risquons d'être fatigués. Ok. Alors c'est quoi le système de jeu ? C'est le même système de jeu que dans le 1 ou pas ? Je ne pense pas. Ils ont fait même le petit reflet dans la verrière. Ah, on aime ça. Oh, le petit reflet dans la porte également. Bravo. Rappel, nous sommes sur PS1. Ah, mon Dieu. Ils sont tous morts. C'est affreux. Il y a bien un qui m'aura laissé une ou deux balles, une ou deux armes. Ça va être un peu plus jeu comme les membres du SWAT. C'est une étouffante odeur de sang et de poudre. Plus ces cadavres entrelacés, quel affreux spectacle. Qu'est-ce qui a bien pu ainsi décimer les puissantes troupes du SWAT ? C'est un téléphone là-bas ? Oui. Il y a un mob. Allô ? Agent Brea ? Baldwin à l'appareil, je me doutais que vous veniez d'arriver. Bon, les membres des SWAT sont tous morts. Non, je vois. Tout cela n'est pas normal, même pour des NMC. Faites votre enquête et soyez sur vos gardes. Oui, on va sauvegarder. Voilà. Voulez-vous créer un fichier ? Oui. Sauvegarde terminé, merci. Et est-ce qu'il y a...
J'ai pris note de votre rapport. Continuez votre enquête. D'accord. Ok. Ils ont mis une petite, un petit truc en plus que juste. Un écran sauvegarde. Il y a quelque chose sur le banc. Ah oui, bah c'est ce que je voulais voir. Une boîte de munitions. Une caisse de munitions de SWAT. Elle est pleine de balles de 9 mm. Je vais en prendre un peu. Vous vous approvisionnez en munitions à volonté ici. Quand vous trouvez des caisses de ce genre, mémorisez son emplacement. Alors, ça me fait un peu peur, dans le sens où ça risque d'être beaucoup plus action. Si on te dit, t'as des balles à l'infini. On va voir ce que ça donne pour le jeu. Alors, pour le coup, celui-là, je ne l'ai jamais lancé. Hein. J'avais jamais lancé. Le 1, j'avais commencé un petit peu. Le 2, je ne l'ai jamais lancé, parce que forcément, je n'avais pas fini le 1. Vite, sauvons cet homme du SWAT. Il y a un petit peu de voix quand même. FBI, tout va bien maintenant. Peut-être pas trop pour lui, quoi. Méfiez-vous. Ils prennent forme humaine. Quoi? Est-ce qu'on peut le fouiller? Trop tard. C'est fini pour lui. Il n'y a même pas une petite arme. Quel bazar. Les gens qui étaient assis ont dû prendre panique. Je m'étonne. Il y a un sandwich à moitié mangé posé sur la table. Écoute, finis-le. Hein. J'ai peut-être faim. Hein. Mince, la porte est fermée à clé. Ah. Ouais, c'est pas du tout pareil que dans le 1. C'est que pour les escaliers, il faut appuyer sur croix, on nous l'a dit. Donc là, si je reprends, je reprends 500, c'est ça? D'accord, donc à chaque fois, je vais en prendre 500. D'accord, ok. Donc c'est une autre touche. C'est combien de... Ah oui. Ah non, d'accord, j'ai 500 munitions maximum sur moi. D'accord. Attention. Il y a un escalier roulant de l'autre côté. Une porte à senseur, mais elles n'ont pas l'air de fonctionner. Le courant est peut-être coupé. Il s'est fait déchirer l'abdomen malgré sa protection en polymère. Quelle force incroyable. En tout cas, on remarque qu'ils ont bien fait que Aya penche bien à se mettre bien le cul en bus pour regarder à terre. Et barrer de l'autre côté. Et ça, on aime, hein, une femme qui met le cul en bus, on sait. C'est la vie, la vraie. Allons à cette porte, hein. Free. Pas un geste. Oh, il y a des voix. Dieu. Bien, il ne tirait pas. On a même notre petit reflet sur le sol. Vous êtes blessé?
Ouais, mais... Moi, je mentirais. Les autres m'envoient du sweat. Ah ben, ils sont tous morts. Tous morts. Par des monstres. Désolé. J'ai aperçu une civile tout à l'heure. Et dans cet état... Vous voyez pas aller la chercher? D'accord. Elle doit être encore à la cafette. Tenez, prenez les clés. Il aurait fallu aller là avant. Bonne chance. Cette porte là, on peut pas y aller? La porte des escaliers de secours. Au moins, ça nous met tout de suite dans l'ambiance, un peu comme dans le 1. Au secours. Dans tous les cas, on a affronté ce premier mob. Hein. J'ai ouvert la porte. Alors, est-ce qu'on a encore une item capacity de merde? C'est ça la question. Une Mireille. Bonjour Mireille. Tout va bien? Il ne faut pas rester là, je vais vous conduire à la sortie. Ah, elle est morte. Ah non, elle est encore en vie. Ah. Je vois que le jeu est toujours aussi dégueulasse. Et c'est beaucoup plus action pour le coup. Le jeu. Il m'a bouffé, salaud. Merde. On l'a bloqué. Quel talent. C'est beaucoup plus action le jeu. Hein. Et objet trouvé. Tout prendre. Je n'avais encore jamais vu une créature de ce genre. Tiens, il y a quelque chose incrusté sur le côté du crâne. Qu'est-ce que c'est? Un aplomb. Je vais le prendre. Il est encore en vie! Écarte-toi! Non, non, c'était ma pointe! C'est bien la première fois que je vois une créature de ce genre.
MMC s'est changé en femme. Quoi? En femme? Pas sûr. Un membre du SWAT m'avait demandé de venir la chercher. Désolé de t'avoir volé la vedette. Il n'y a rien d'autre, on ne sait jamais, on ne doit jamais s'en sortir. Allez, appelle le QG et demande des renforts. D'accord, sois prudent. Les gens ne brûlent plus alors. Oh non, c'était Eve qui les faisait brûler, c'est vrai. Oh merde. Oh, on voit où est-ce que ça va aller. D'accord. En plus, il veut s'aligner avec la cible, quoi. Allez, bute-le. Eh ben. Objet trouvé. On va prendre du gaz lacrymo. Reprends les balles. Merci. C'est bien ça, au moins on a des munitions à l'infini. M'a dit d'aller au téléphone, hein. Aller au téléphone. Allez, prends le téléphone. Les créatures qui se changent en humains, vous êtes sûr? Oui, chef. Je vous le dis. Je vois, désolé, mais je ne peux pas vous envoyer de renfort. Ah. Tous les autres chasseurs sont déjà sur d'autres affaires. Ah oui, au fait. Faute de renfort, nous avons obtenu la permission de la police d'utiliser son équipement. Étant donné la situation, n'hésitez pas à vous servir. Pierce, je vous parlais. Je vous le passe. Pierce, je vous parlais, je vous le passe. J'ai tout entendu. Et NMC qui se change en humain, c'est nouveau ça. Cet implant dont tu as parlé de se révéler un indice important. Rapporte-le-moi si tu le peux. Mais sois prudente surtout. On va sauvegarder. Donc techniquement, on vient de me dire que je peux piller les cadavres. Oui, c'est un vrai spectacle. Qu'est-ce qui a bien pu... oui, non mais... Je peux pas les pieds. Ah non, mais peut-être le policier là-bas, il va me donner son flingue. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Faut que je retourne voir l'autre. Allons voir notre copain. J'ai entendu un mob.
Okay. Trop tard. Mais ça, on savait déjà. En plus, il se fait bouffer par des rats. Tu ne peux pas venir me combattre. Et moi, je peux te tirer dessus. Je suis trop fort. Mais notre copain, alors, il est où? Ça. Oh yeah. Bah, on va prendre la clé, ouais. Ça va toujours servir. Là, il y a une porte. Ouvrons cette porte. Il y a une ampoule au milieu des aliments. Tranquillisant. Très bien. Distributeur de boissons. Corps membre du SWAT. Sans soin de sa nuque qui porte des marques de dents quasi humaines. Il y a quelque chose par terre. Merci pour les soins. Il n'y a rien de bien intéressant. C'est pas du tout le même style de jeu. C'est intéressant. Oh oh oh. J'ai bien vu le truc qui brille. Hein. C'est Rupert. Tiens, un membre du SWAT rescapé. Mais qu'est-ce qu'il fait? De serrure légèrement différent de celui de droite. Ah. Rien. Il me faudra une autre clé pour la deuxième serrure. Une clé jaune, certainement.
Mais vous le savez, la clé bleue mène à la clé jaune, qui mène à la clé verte. Ah bah la porte barrée. De ce côté, on peut retirer la barre. Voilà, c'est fait. Ok. Ça, c'est fait. Ah, les niveaux construits sur des raccourcis, j'aime bien. Hein. Moi, vous savez, Dark Souls et tout, j'aime bien ça. Hein. Attention, je dis pas que c'est un Souls-like hein, non plus. Il y avait une deuxième porte. Donc les mobs nous rendent des MP en les tuant. Les escalators dans les jeux vidéo, c'est comme dans la vraie vie. C'est chiant. Ah, s'ils nous ont pas vu, on peut leur faire des préemptives strike. Bouge pas, Coco. On peut pas se tourner. Ouais, c'est ça, donc j'ai de nouveau 30 MP. Oui. Et comment je change de... MP passe à 7. Deux boules de feu puissantes. Expérience cost. Et donc là, il va me dire non, t'as pas assez de points d'expérience. D'accord. Ok. Compris. Ok. Ça me disait combien de PV ça rendait ? Je donne des PV, non. D'accord, ok, ok, ok. Ah, c'est vraiment pas du tout le même jeu, hein. Ça m'aime pas au même endroit, ça. Oula. Je sais pas si je le touche. On va voir. Non. Ok. Oh, dégueulasse. Ah,
Objet trouvé. On va tout prendre. Ah, c'est certainement Rupert. Son gilet est en lambeaux, difficile de riposter avec un trou aussi lourd. Oh, excuse-moi, je te l'emprunte. Donc. Use. À la place, je peux prendre ça. Donc ça a un plus grand range, ça a moins de rate. C'est plus lourd. Alors rate, c'est quoi déjà? C'est précision? Batterie 50? Pas de munitions adéquates. Pourquoi batterie 50? Ah, par contre, on voit l'arme dans les mains. Qui es-tu, toi? Plus un geste. Ah, c'est pour la lampe. Jaïs, comment ça va? Tout va bien? Oui, je n'ai rien de grave. C'était qui ce type? Je sais pas, je vais pas poser la question. Je n'en sais rien. Il m'est tombé dessus du plafond. Tu veux appeler le QG? Oui, il nous envoie la cavalerie. Oui, mais on n'aura pas de renfort. Tant pis. Aya, il faut que tu le rattrapes. Oui. Est-ce que tu aurais des choses pour moi? Ah, une clé. Sois prudente. Ce n'est pas une affaire comme les autres. Il y a une clé par terre. N'hésite pas à la laisser tomber. Prendre la clé rouge. Allez. Y'a rien à ramasser? Dommage. J'ai bien une batterie et ça doit être pour la lampe. Je veux voir si la clé rouge c'est pour l'électricité. Voir ce que ça peut nous amener comme, comme truc. Oula. Et d'accord, on en est sur ce... On en est sur ce débit-là de munitions. Peut-être aller rechercher des balles quand même. Hein. Pour le coup. Ah, des balles de 9 mm. Alors, on est à combien de balles de 9 mm, s'il vous plaît? ?133, j'ai 4 chargeurs sur moi. Je vais aller rechercher 500 munitions.
Bordel. Non. Pars-toi. Bon, ils sont tous morts. Donc, j'ai trouvé les antidotes, très bien. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Merci pour les munitions. J'aime ça. J'aime ça. Alors par contre, le fait de pas d'avoir moins besoin de vous soucier des munitions parce que vous en trouvez peut-être plus facilement, c'est pas plus mal en vrai. Mais ça enlève un peu de survival horror. Hein. Yeah. Et à Brea, la mitrailleuse folle, la sulfateuse folle, la sulfateuse ionneuse, tout à fait, c'est tout à fait français. Alors, est-ce que la boule de feu passe? Oh oui! Très bien, on va vous avoir comme ça les gars. Voyez-moi. Est-ce que... Est-ce que je peux changer d'arme pendant le combat? Non. Moi je m'en fous. Hein. Le jeu m'a dit t'as des munitions à l'infini. Hein. Et donc maintenant que j'ai de l'XP, j'ai combien en XP? J'ai 1400. Donc je peux aller dans mes PE. Aller faire régénération, libérer, acheter, renforcer. 1750, d'accord. Et là, celui-là, je peux le renforcer. Non, ça coûte cher par contre à renforcer. Alors, maintenant, question. Quand je fais ça... Ah d'accord, je peux tourner... d'accord, ok. Ça redonne combien de PV ? 30 PV. Très bien. D'accord. Je sais pas sur quoi je tire, mais je tire dessus. C'est en face de moi. Ça c'est bon ça. Donc on peut toujours farmer dans le jeu. C'est intéressant. Est-ce qu'à tout hasard, ça marcherait? Ah.
Ça servait à quoi d'arrêter la fontaine? Je viens peut-être de faire une connerie. Ça, ça a l'air d'être le meuble le moins dangereux de l'univers, lui. Objet trouvé. Des grenades. Du sang. Il y a un cadavre d'un membre du SWAT dans le bassin. Son arme peut encore servir. Merci. Fun fact, on va en avoir besoin. Et nous le donne. Ah, donc les grenades, c'est des grenades pour lance-grenades. Personne? C'est bon, voilà. Allons chercher des munitions, allons sauvegarder et... Ah. Quoi? C'est quoi ces conneries? Lui! Recharge. On veut aussi. J'en ai encore. Objet trouvé. Merci. Médicaments. J'en ai encore plein des munitions. Regardez, je vais les rechercher. Et nous, on va pouvoir s'arrêter là. Alors, on va juste sauvegarder. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. D'où il sort celui-là? Il sait sûrement quelque chose. Bréa, appréhender ce suspect pour entrave à un agent fédéral dans l'exercice de ses fonctions. Tout à fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.